Bonjour maman, bonjour papa, je me présente Romain, je suis comment tu dis alcoolique depuis... De quoi? Tu t'appelles comment là? Romain, Billy, autant pour moi. Ouais, Billy. J'ai un pseudo. Donc, merci Billy. Pour les intimes. Oui, ça présente. Bon allez, c'est parti. C'est parti, ben... Ben c'est bien. Ouais, ouais. Carrément que c'est bien. On coupe. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée. Non, bah, pas mal de choses. Hein. Honnêtement, on a bossé pour la plupart jusqu'à quoi, 4h30 ce matin, pour tout le monde. Pour pouvoir avancer, ça va J'ai pété la cintreuse. Le patron vient de péter la cintreuse. Oh putain. Voilà, en plus de faire une moto en 6 jours, on va devoir faire une cintreuse en 2 jours. Ça va beaucoup moins bien ça. Ah ouais, on a pas mal bossé cette nuit. Parce qu'en fait, il y a une chose essentielle qui nous bloquait quand même de boulot, bah, c'est le cadre. Donc, on a. C'est un dernier code pendant la nuit. Histoire de pouvoir enchaîner sur pas mal de détails. Comme, bah, voilà, je suis pas de scène. À suivre après, support de sel, support de batterie, le tondeur de chaîne, les capiers, la béquille, les supports moteurs. Oui, vous remarquez que le moteur est, il est posé. Voilà. Le moteur est tout seul. C'est-à-dire que là. Bullshit. J'ai failli faire la gourde de ma vie. Là, ça roule. Ça recule. Mets la petite colle. Je me sens bien. Les gens vont bien. Eh oui. Bah alors, le moteur est dans le cadre. Donc on a fait pas mal de boulot, mais il reste du coup pas mal aussi. Hein. Un petit peu. Quand on va réfléchir sur le... Sur le feu arrière. Fab là, qui s'est lancé dans un truc assez, assez intéressant. Donc à mon avis, je pense qu'il y en a pour une bonne nuit de boulot, à mon avis. Ah, bon, apparemment, les compteurs, ils plaisent. Oh, ça va. C'est vrai qu'on a posé les compteurs. Les compteurs plaisent. Ouais, c'est normal. Ça prend combien d'armes? En fait, ça, c'est une méthode américaine, donc en fait, là-bas, c'est pour... C'est tout droit. Voilà. Voilà. Je ne pose pas de questions. Alors vas-y, ça prend combien d'armes? Allez, on va prendre combien d'armes? J'en sais rien. T'as un rapporteur? Après, ça frotte. Après, ça frotte. C'est pas... C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Oui, c'est pas dégueulasse. On a bien regardé, en fait. Je te jure, elle est posée quelque part. Voilà. Non, c'est pas dégueulasse, honnêtement. Hein, t'en penses quoi? Qui a pris Julia? Julia, elle doit être dans la caisse. Elle est dans la caisse, quoi. J'ai envie de voir. Vas-y, chez elle, Julia. Penche. T'es prêt? Là. Ouais, il te reste encore 2 cm avant que ça touche. C'est pas... Mais de toute manière, comme la plupart des Français roulent... avec une bande de peur de 5 cm, je pense que ça posera pas de problème. Donc voilà, du coup, au départ, c'était prévu qu'on garde les collecteurs d'origine, en fait. Mais on s'est vite aperçu que, vu qu'il passait sous le moteur, c'était vraiment... du coup, là, ça va être vraiment compliqué à faire passer. Donc on a simplement... Du coup, on s'est rajouté une mission, on va faire une complète d'échappement. Voilà. Donc, on va partir de 4 en 2. Ça te dérange pas qu'on se relève? Non, ça te dérange pas, non. Il est pas compris. Donc, on fera 2x2. On va les faire passer sur le côté. Enfin, où après, exactement, j'en sais rien. Mais on garde quand même le délire du coup de faire passer les deux. Comment? Tu as dit quoi? Avec la moteur, encore une boule. Donc on va faire passer les deux. Allez, attends. Elles sont à finir. Attends. C'est toi, c'est un. Tu me perturbes. Alors attends. Le collecteur. Allez, le collecteur. On va monter. Et si on se. Voilà. Bullshit, mec. Bullshit. Ah, bullshit là-bas. Là-bas, là, il y a bullshit. Là. À peu près
Environ. À peu près, hein. Sachant que la chaîne sera tendue, donc normalement, si tout se passe bien, d'après le bureau d'études, ça devrait passer. Si tu veux lui péter sa gueule. Voilà. Comme ça, Ouais. Une question qu'on nous a posée souvent dans la journée, quel était le type de la moto? Alors, comme Billy, là c'est ton domaine. On m'a souvent posé la question dans la journée, quelle était la base de la moto en fait? Et pourquoi? La base. Voilà, il va centrer sur une bouteille de gomme. Ouais, c'est le patron est pas très en forme aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ont suivi, il a travaillé jusqu'à 5h ce matin. Du coup, il est un peu énervé. Joel Bûcheron est énervé. Donc, c'est un 600 Bandit au départ, de 98, si je me trompe pas. 91, 98, quelle année? Donc voilà, il est toujours. 91, on dit. Hein? 91. 91. Voilà. 91. Ouais, 91. Voilà. Hein? Et pourquoi 10. 91, 10. Bref, passons. Et... Non, fais ton 5 c'était très joli. De feuille un Galbis. Oui, oui. Ça dépend. Si tu retires 70, ça fait 30. 90, 70. Voilà, 80 si tu veux aussi. 80. Octante. Octante. Ouais, ça dépend, ouais. Ça dépend. Bon, alors. Donc c'est un 600 Bandit. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était l'occasion. Oui, parce que c'était l'occasion du siècle. Non? T'as voulu ça? Vraiment? Mais il y a des raisons dans tout de la vie. Ah bah vas-y, dis-nous pourquoi. Non. Ok, bon voilà. Il est très très lourd quand il est de mauvaise humeur. Oui. Non mais c'est tous les jours, ça. C'est pas faux. Donc du 600, en fait, il reste la fourche, le moteur, la roue arrière. Et la roue avant. Mais il y a tout. La fourche, non? Non. Il y a tout. Il reste quoi? Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de réservoir, il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien, quoi. À part la roue, le moteur, la roue, la fourche. Encore? Ah si, jamais. J'ai... Aujourd'hui, j'ai fabriqué la platine de frein arrière. Et je suis fier de mon travail. Admiré, oui. Ceci est du bon travail. Notons quand même que les soudures, c'est pas lui qui les a fait. Bon, forcément. Hein, c'est pas lui qui a fait le gabarit. C'est pas lui qui a fait le gabarit. En fait, il a volé. Il a percé pas au bon endroit, donc du coup. Fait que meuler. Merde. C'est une bonne partie déjà. Ouais. Alors, on nous demande pourquoi on met pas une sortie de chaque côté. Parce que tout le monde fait c'est ça. C'est qui qui a des goûts de chiottes comme ça? Qui a des goûts de chiottes comme ça? Écoutez, parce que pourquoi? Ouais. Non, c'est clair, il n'est pas content. Le fait de faire quelque chose de complètement différent, enfin, voilà quoi. Propre à ce qu'on aime, voilà. C'est pour toi qui décide. Bah écoute, moi perso, j'aime pas, je dis, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça marche pas souvent ce que tu dis. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Marie, viens chercher. TJ, il a fait ça. Oui, ça c'est le panier à salade, là. Du bon travail, c'est un très bon travail. Il a plié un bout de ferraille. Ouais. Fabrice, la base arrive samedi. Mais c'est pas la peine qu'il vienne. C'est quand même joli, quand même. Mais je l'aime bien quand même, je veux dire. En revanche, on peut leur demander s'ils ont des idées de nom en voyant la moto, eux. Le public. Parce qu'on n'a rien décidé encore. Ah, de me regarder comme ça, ça me fait peur. Je te jure, je vais me barrer. Je te jure, il me fait flipper quand même. J'aime bien, mais. Ah, mais t'as pas l'habitude. Je suis pas serein. Non. T'as raison. Je sais. Vu ce qu'il a fait à la table tout à l'heure, c'est une longue histoire. Oui, pas seulement. Et ça, c'est le bonheur d'étude, ça. Fan des optiques. Ouais, bah. Ouais. De manière, elle aime bien tout ce qui est race. Qui? Carole, Zaramello. Ah, j'ai pas fait gaffe. On s'en fout, c'est qu'elle aime bien. Oui. Oh, c'est pas mal, j'aime. Bah, elle est fan des optiques parce que je suis à côté. Quand elle l'a dit, t'étais pas là. D'accord. Mais du coup, elle aime plus. Merde. Hein? Du coup, elle aime beaucoup moins. On leur a expliqué le bouchon de réservoir ou pas? Non, parce que c'était hier soir. Si oui. Non. Bon, non, il était pas. Si, on leur a expliqué. Bon, vas-y, là. Non, c'est normal. J'ai pas envie. Bah, si, on a parlé de la quincaille et tout, là. Eh, c'est moi qui fais ça, c'est pas toi. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Claude? Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas ce qu'il y a passé cette nuit, mais ça va me faire bizarre. Alors ça, mon gars, tu te démerdes. Hein. Non, c'est pas ça, moi. Comment tu vas? Ouais, j'arrête pas sur les. D'accord. Oh, mais vas-y, bosse, t'as pas les couilles.
Ah deux, on fait ton poids. Ouais, grave, de toute moto. Le mec, il a une masse en plastique, il se la pète. C'est pas qu'un. Mais attends, tu t'attends pas que tu fasses la veuve. Non, c'est pas mal. Enfin, perso, moi j'aime bien. C'est déjà bien d'aimer ce qu'on fait. Hein ? Carrément. En 3 jours. Hein ? En 3 jours. En 3 jours. Attendez, il reste encore énormément de boulot, comme on disait, énormément de choses à fixer. Il nous en reste encore 3. Il en reste encore 3. On a deux personnes qui arrivent jeudi soir. Ça va être tendu, mais ça va être tendu, mais ça va passer. 109. On se rajoute 2-3 délires en plus. 109 en 89. D'accord. Ok. C'était. Oui. C'est la Ligue de l'Italie. 109 en 89. Voilà. C'était pour le bicentenaire, la révolution. 109 en 89. La minute Arte. C'était la minute Arte, oui. Là, tu dis que tu fais peur quand t'as un genou. Ah non, quand il a un genou, il fait pas peur. Non, t'inquiète. Surtout quand il fait semblant de bailler. Bref, c'est pas mon histoire. Hein? Hein? Qui a dit ça? Je connais. Francis Mathieu. Je sais pas qui t'es. Hein. Si je te trouve. Ouais, là, je bénis si je te trouve. Oui. Et je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Attention, Francis Mathieu. Je peux être très méchante de temps en temps. Bref, c'est une longue histoire. Donc. On t'appelle, je crois, non? T'as pas un appel là? Non. On check. Complètement. Bon, on check vite fait ce qu'il reste à faire. Hein. Ouais. Donc, les cale-pieds. Ah, en fait, montre-nous à peu près la posture qu'on a sur la moto. Touche pas ou pas? Genre, je vais faire comme si c'était. Bah, toi qui conduisais. On va faire comme si c'était une séance photo. Il faut un petit peu. Vas-y. Rentre le ventre. J'ai kiffé. Mais t'as failli niquer ma selle en plus. Je crois que c'est la tienne. C'est pas faux. Il me faut des petits calpiers, les gars. Ah, combien? Deux. Choper les boucherons, TJ? Comment tu dis, les boucherons? Bah, c'est pas les mains. C'est là, ça va. C'est épais, elle a comme la grosse. À peu près ici, les calpiers. Comme okay. Celui-là. Donc vous voyez la position que j'ai. Non, la grosse. C'est quand même une position qui est agréable à conduire sur de la longue distance. Je pense que pour l'essayer, on va traverser la France. Je pense qu'on peut faire un Dijon-Bordeaux. Non. C'est pas mal. Non. D'accord. Pas toi, non, peut-être. Non. Bon, okay. On fera pas de Dijon-Bordeaux, on fera Dijon-Dijon. Ouais. Et en l'occurrence, on n'est pas Dijon. C'est pareil. On est à V2L. D'ailleurs, Patrick, si tu regardes, ouais, vas-y, hein. Bon, mais voilà, attends, on sera des plus hautes. Donc, ouais. Mais comme. C'est, le confort est digne d'une Goldwyn, hein, quand même, on peut juger. D'ailleurs, c'est prévu qu'on mette un auto radio et c'est chaud. Alors. Il y aura peut-être une petite antenne ici. Électrique? Forcément. Ouais. Alors, il y en a un qui nous dit que les jambes vont bien chauffer. Alors, montre-lui. Qu'il y a de la place. Il y a quand même un peu de place. Quoi. Excuse-moi, je passe devant la caméra. C'est quelqu'un qui a jamais roulé en air huile, ça. Ah, bah ça, je sais pas, c'est simple moteur. C'est bien pour l'hiver. En même temps, c'est. Simple moteur, c'est Damien, je crois. D'accord. Damien, c'est toi? Normalement, il tu vas répondre oui ou non. Bah, il avait pas d'écrire des trucs depuis tout à l'heure. J'en lis sur deux, il en écrit tout. Billy, en quel but avec la serviette sur le dos au milieu de la nuit, c'est ça? Oui. C'est quand ils m'ont vu passer pour aller à la douche, vu qu'on a de la douche ici aussi. Ah putain! Par quoi dehors? Oui, là-bas. Qu'est-ce que t'as fait? Il bah, cherche un truc. Il cherche du bien? Oui. Ouais, ça j'avais vu, ouais. Donc voilà, donc bon alors du coup là, parce que j'ai toujours pas fait mon petit tour de ce qu'il nous reste à faire. Alors, le petit tour de plaque, les deux calpiers, la commande de train. Non, trois plaques. Allez, la plaque. Pour une fois que tu pourras faire un truc. Bah, il reste le radiateur. Fixer le radiateur, mais on attend de mettre les collecteurs dans un premier temps pour savoir où on va le fixer exactement. Il reste tous les flexibles à faire. Un peu d'électricité. Là, il y a les supports moteurs avec là où on va cacher la batterie. On va la mettre ici. Oui, ici. À peu près. Voilà, là. C'est un peu chiant pour l'éclairage. Oh non, faut ouais, t'as fait pas le voir là mon avis.
en bas ici. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est ouais. Plus comme ça. Ouais. Ah, que ça casse un peu. Oui. L'aérodynamique. Exactement. Ça appuie un peu. Sinon, pas d'adhérent. Oui. Hein? Ouais, il y a mettre cylindre de frein à poser. Oui. Genre là, ça va être intéressant aussi. Comme ça? Ben, soit on peut. Bah, je sais pas pourquoi on peut. Soit on peut, soit on peut pas. Parce qu'on a dit qu'on mettrait peut-être un truc ici. Oui, mais ici, on les entend pas. Tiens, on sait pas ce qu'on va mettre encore là. Ça, il y a des tailles, des clignotants, il y a le rétro. Les clignotants, il y a... on va les fabriquer. Monte les clignotants, fabriquer le clignotant. Monte tes clignotants. Fournis par Mylène. Par la cacaille. Par Mylène. Attends, Mylène. Attends. Dis bonjour à Mylène. Bonjour Mylène. Hop, hein, les clignotants. Tu les as perdus, tu les as trouvés. Ouais, les clignotants ressembleront à ça. Bon, la partie c'est là, de l'alu brossé. Elle est cachée cette partie. Et ça, là. C'est tout fabriqué. Ça va être en laiton normalement ou en alu si je me trompe pas. C'est ça, ouais, on mange dans un tube alu. On va rentrer dans les pots. On l'a montré déjà. On l'a déjà montré, il y a maintenant. Mais il faut le faire maintenant. Ah bah oui, il faut le faire, bien sûr. Bien avec sûr. Le ressort de grange. Ah oui, ressort de porte de garage, on a dit. Question, là, c'est pas grave. Faut la mettre sur le champ. Faut la mettre sur le champ. Certain. Je construis avec toi cette montée. T'as dit pause. Non. Moi je discute. Hey, tri. Bon. Alors, le pignon tendeur de chaîne. Calibre 5.5. Bah, c'est des vieux réflexes, autant pour moi. Donc il va se situer ici. Regardez ce que j'ai dans le dos. Oui, j'aime ce que tu me fais. Bref. Donc là, on va fabriquer une pote. C'était très très bizarre. Il est prêt à tout subir, ce mec-là. On va fabriquer une pote en fer, là, dans le même style de la moto, avec des pics un peu partout. Et on va mettre, ici, un ressort de... Porte de garage, voilà. Qui va venir le mettre en tension. Qui va être accroché ici. Pareil, avec une jolie pâte qui va être fabriquée maison. Et les pots vont sortir sous la chaîne. Et puis voilà. Dans l'ensemble. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on revient mes becs. Où la batterie ouais. Alors, la batterie. Ah, ouais. Ah, dessus là, pied gauche. Ah peut-être oui. Si tu nous regardes, ta moto elle est foutue. Ah. Alors d'où vient elle? Bon, pendant qu'il cherche, la batterie. Vas-y, la batterie. La batterie. Alors on m'a posé la question, pour la batterie et pour la peinture. Attends. Ah d'accord, quelques pas. Hey, donc là on est en train... C'est vraiment de la merde. Donc là on est en train de faire... Il est heureux, ça y est. Support moteur. Il sera en deux parties, une partie ici, une partie exactement pareil de l'autre côté. D'accord.
avec un fond et la batterie sera encastrée au milieu. Voilà. Entre les deux. Entre les deux tours. Après, pour ce qui est de la peinture. Je sais que les gens sont un petit peu. Ah, bah alors vas-y. Lents. Non, ils sont pas bêtes, ils sont lents. Ils sont cons. Ils sont cons. Sans gain. Ceci est une batterie. C'est typé. Ça dépend. Dans l'autre sens. Oui, voilà. C'est toi aussi, tiens. Voilà. En gros, donc, imaginez la deuxième tôle identique qui viendra fermer et en même temps supporter le moteur. Je sais même pas s'ils savent imaginer, mais bon, vas-y. Ben voilà, non, mais c'est un début. Oui, oui. Donc voilà pour la batterie, hein, je pensais pas mal. Ouais. Et puis, donc, pour ce qui est de la couleur, eh ben, il n'y en aura pas. C'est prévu de la faire rouiller complètement. Style bien trash, fat. C'est dommage parce que moi j'aime bien comme ça. Moi je voulais passer un coup de vernis, mais le patron, il veut pas. Voilà. Ah, bah, c'était là, je vais chercher la. Il dit ouais, de toute façon, machin. On est une équipe, on prend les équipes, voilà. C'est ensemble qu'on fait, machin, ouais. Tout, puis... Voilà les peintes. Non, non, ouais, donc là c'est prévu de la laisser rouiller complètement. Sauf bah, ce qui est parti alu, chromé, etc. Rouillé à l'acide. À l'acide, ouais, ah oui. C'était pas la piste de chien à la base. Bon, c'est quoi ça? C'était... C'est pour toi que tu fais ça. Ouais. C'est pour toi que tu fais ça. C'est une idée comme ça, ça. Oui. Peut-être la pipi de chien. Hein, j'aimerais faire rouiller les choses. Non, c'est un secret. La rouille, c'est un secret qui se fait. D'accord, c'est un art. La rouille est un art. Oui. Je vais pas du bon. Bon, le Fredo, ça roule? Ah, il est super. La vache, vous avez bien avancé, les gars. Ça te plaît? Ah, ouais. C'est bien. C'est voilà. Et puis alors, t'es venu avec le super. Après, on t'a mis une sorte de truc. Ouais, elle est bien vue celle-là. Avec la mamie. Elle est bien vue. La mamie, et bah. Je te coupe vite fait, j'avais une ex, elle était aussi large que ton réservoir. Mais bon, une quoi, une? C'est une longue histoire, c'est une longue histoire. C'est toujours la même ex? C'est pas la même. Ouais, on dirait deux loches en fait sur le côté, ça fait un peu, tu sais. Le gros sein bien pendant, je trouve ça c'est original c'est comme le truc. Le sein bien pendant. Ouais, devant toi, le réservoir qui tombe. Voilà. Des bonbons, des bonnes mamelles. Comme mon ex, ouais. Bon, alors, il va falloir qu'on retrouve d'où vient la vis. Pedro, ouais, c'est ton. Pedro, c'est ta mission. Ouais. Avant ça, elle vient d'où cette moto? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, la moto, bon, elle a pas fait grand chose. Elle a fait Paris-Dakar en 1987, mon Pedro. D'accord. Elle l'a fait. Ouais, elle l'a fait, elle est arrivée jusqu'au bout et elle finit 9e même. D'accord. Avec Marc Joanneau, pilote emblématique bourguignon. D'accord. Que l'on suivait à l'époque. Et donc, ouais. C'est une vraie fierté d'avoir récupéré la moto, de l'avoir remis en marche parce qu'il a fallu la remettre en marche. Ouais, ouais. Et puis, alors, du coup, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et l'objectif, c'est de descendre de Paris jusqu'à Monaco pour refaire Paris-Dakar. D'accord, donc en fait, pour le. Comment ça s'appelle la course où tu es engagé? L'Africa Race. L'Africa Race. Pour l'Africa Race. Qui est le port de Monaco jusqu'à Dakar. Donc ouais. Toi, ton but, c'est vraiment de faire Paris jusqu'à Dakar. Et du coup, tu ferais Paris-Monaco avec celle-là. Avec et celle-là. Tu prendrais la brêle officielle. Ouais, c'est bien, j'ai froid, alors vas-y. Tu prendrais ta brêle officielle pour faire après, donc du coup, la course, la vraie, de Monaco jusqu'à Dakar. Okay. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, le 125, tu garderais le même numéro. Du début à la fin, ça c'est cool. Ok, ouais. Ça c'est nickel. Merci à l'organe de l'Africa Race parce que du coup, c'est vraiment. Ok. Cool. Non, mais c'est un bon délire. Moi j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà. Mais okay. C'est une moto qui est vraiment bizarre à piloter en fait. Elle a des. Elle ressemble beaucoup à une 450 d'aujourd'hui, mais par contre, la fin à un moment donné, ça s'arrête plus quoi. Je sais pas combien tu montes, mais. Ah ouais. Tu vas essayer, Pedro? Non. Je suis allez. À la moto. Oh, putain, je me suis arrêté à la 50 Piwi, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Donc, non, c'est vrai pas. Moi, l'américain, tu te détends, tu vois? Comment remonter? Je t'apprendrai à finir. C'est pas grand. Le pneu d'origine, d'ailleurs, tu peux voir, il est complètement craqué à l'arrière. Tu veux regarder celui-là pour lui? Alors, en tout cas, il est vraiment du guide. D'ailleurs, il est pas gonflé. Et puis voilà. Hein qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit délire challenge là, vite fait là. Hein? DJ, t'es chaud? Ou y'a pas des questions ou quoi? Bon, non, pas pour le moment. Ouais. Il y en a qui te félicitent pour tes conneries, on va c'est dire. C'est qui Céline Lamy? Voilà. C'est quoi? Céline Lamy, c'est elle qui? L'a mis où? Elle l'a mis où? Céline. Elle l'a mis où ta mère d'ailleurs? Fouzi! Non, c'est pas Salut Fred, c'est Phallus Red. Salut.
Là, tu m'as pas suivi. Et ça l'a les deux. Bon, enfin bref. En tout cas, moi je tiens à féliciter les gars pour leur avancée parce que là en plus, non, je trouve que pour un mardi ils sont quand même frais quoi. Ouais, on est mercredi en plus. C'est toi qui dors pas trop. Ouais. Merci Fred. Putain, et d'habitude ils sont pas aussi frais que ça, soit ils sont entraînés à mon avis. Tiens, alors, regarde. Ils sont entraînés. Une musculation. Donc, ça pour les mecs, enfin les gens, les personnes, les mecs, tout le monde, c'est des pneus de Dragster. Voilà. Donc ça ressemble à ça, un pneu de Dragster. Et on a un petit délire, c'est... Déjà, on va dire merci à Bernard. Oui, Bernard. Merci Bernard. C'est sympa, Bernard. Merci à vous. Merci. On a un petit délire... Non, on s'en fout, de toute façon, mais bon. On va dire merci quand même. Ouais, bon, c'est de la politesse, quoi. Voilà. C'est de rentrer dedans complètement, le plus vite possible. Voilà. Bah, je précise un truc, c'est pas moi qui rentre dedans. Donc, voilà, faut quand même leur montrer qu'ils veulent que je rentre dedans. Voilà. Donc, vous voyez un peu moi. La taille de la bête. Regarde. Hein, ça va. Ok, donc ça fait... Il a un canard sur le voilà. Un mimolet. Un canard ? Non, un canard. Oui, un canard. Baissé. Ouais. C'était rigolo, toi, la gueule. On s'en fend vraiment, la gueule. Non, mais c'est plus pas bien. Bon, allez. Mais non, Clarisse, c'est pas casse-pied. Clarisse. Et au Clarisse moulet de... Elle a dit qu'elle avait été casse-pied. Elle n'est pas casse-pied, Clarisse. Elle nous a amené des meringues. On va tout manger. Tes meringues étaient bonnes, mais elles avaient un arrière-goût de Peck Excel. Non, Peck Citron. Peck Citron. Ouais, ouais. Ouais. Moi, les cookies, j'ai pas le temps d'en bouffer. Les cookies étaient. Non, il y en avait 4 dans le sachet, alors du coup, bon, là. Ah, voilà, voilà. Hein, c'est ça, c'est 3 même. C'est Digitov qui a tous bouffé, d'ailleurs. Sabrina, tu vas faire la gueule. Le mec qui fait que bouffer Doritos. Il bec des Doritos. Des Doritos. Non, mais t'inquiète, je vous fais les légumes. S'il y a des personnes qui veulent nous amener des petites collations, vous êtes bien sûr invités au garage Golden. Moi, je viens à l'aise. Il y a quelqu'un qui voudrait qu'on mette ça sur une moto. Pose ça sur une moto. Ben. Regarde Batman, tout simplement. Non, 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 disposer le pneu sur une moto. C'est bon, ouais, sur la moto. On l'a posé sur la moto. Ah, oui. Tu le veux à l'avant ou à l'arrière? Yeah. Ok. Bon, c'est voilà. Ça lui va. Non, il veut la vue. Ça fait très mal. Bon, attention, hein. Il faut une vue de loin maintenant. Ah oui. Attends, on fait un. Oh, putain, oh, très grave. Demain il est des sous-tout en fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre un axe et puis c'est bon. Franchement, c'est grave. Bien, parle, c'est grave. Ça peut être marrant. Tu penses que vous avez le temps de transformer en trike d'ici la fin de la journée? Eh, t'as jamais fait ça sur des si grosses pattes. Il y a pas du thread qui parle de trick. Ah, c'est un trick, oui. Bah, pour les Français, c'est un trick. On vient pas du thread, en tout cas. T'as y est, t'as compris, t'as grand, t'as top, ouais. Ouais. Bon, Billy. Oui. Le challenger, ici présent. Oui. Ah. Donc, il y a deux teams. Il y a la team GCC, il y a la team moi-même. Avec une nouvelle amie. Un vent. Avec son nouveau conjoint. Qui c'est qui fait le chrono, là? Salut. T'as un téléphone? Non, on n'a pas laissé pour le coup. Le belge. Ah, c'est bon, t'as le chronomètre? Ah, non, on file pas le marin du belge. Hein? On file pas le marin du belge? Pourquoi? Pourquoi la chaise? Mais non, mais c'est Dorine qui me demande. Le Dorine. Filme pas, mais ils sont obligés de se mettre en condition. J'ai vu que la dernière fois que t'as filmé sur la vidéo, oui, j'ai oui, vu ça oui. Carole. Il y a un souci là, le fléton. Avec moi. Et moi, j'en ai plus. Oui. Ouais. Là, Carole, bientôt, que ton mec il a 10 ans moins que moi ou moins que ça. Hein. 30, t'en as 40. Voilà, donc 10 ans. Dans 10 ans, il va ressembler au moins à ça. Au moins, si c'est pas pire. Putain, bah adieu, ça fait peur. Je me raserai la barbe. Mais fais de bon, dis-nous ce que tu as, toi, t'as plus rien du tout. Ah, grave, ouais, bah, c'est pour ça que je coupe dès maintenant, moi je sais pas quoi faire. C'est ça. Y a Céline qui veut faire des commandes pour nous. Des commandes de quoi? C'est pour ta mère ou. Quelle Céline? L'ami. Ah, bah oui, alors c'est quoi que tu veux? Pedro, il y avait une dizaine de cookies. Il y avait une dizaine de cookies pendant le matin. Non, je sais pas qui c'est cette gonzesse, mais là je l'aime pas. Moi j'ai commencé, il y en avait plus de 4. Ah merci, merci Tidji. C'est bon, Pedro, ça faisait déjà. Eh ben non, c'est faux. Non, je fais pas un striptease, hein. Attention, je suis pas. Si, si. Non, pas maintenant. Le dernier peut-être. Ah, tu te mets pas en condition là hein? Non. Fais 3, c'est trop bon. Non, pas besoin. T'es déjà dedans, toi, c'est pas comme ça. Ouais, grave, c'est ça. Je savais pas à côté. Ah, bah moi j'étais à côté. Mais fais la course, attends. Il faut qu'on mette un drapeau pour lancer le départ. C'est quoi ça? Ouais, c'est bien ça. Il est pas un peu gros ton drapeau?
Non mais nous on est des Américains de Ouais, c'est des Américains de V2F. Mort. Du port dessus, dès qu'il touche le sol. Comme en Irlande. Et donc tu fais quoi? Rentrer et sortir ou juste rentrer et sortir. Rentrer et sortir. Il faut un chrono, hein. Faut que quelqu'un. Y'a pas lui, c'est ça. Attends, il y a la montre High Tool et tout, vous êtes plus ça, vous maintenant. Allez, 3, 2, 1. Putain, allez, 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 faites un effort. Je suis con, c'est le bordel. Allez, Véro. Billy, t'es en train de te permettre. Enfin, Billy, c'est bon. Billy, non. On l'avait pas fait pour nos chiens. 38 et 40. Si, si, carrément. C'est si, j'ai la vidéo. 38 et 40. Putain, je t'ai dit que je m'étais plus longtemps rentré, mais je m'étais moins longtemps. Faut se consoler. Carole, elle s'en fout que t'as la calvitie, du moment que. Voilà. D'accord. C'est ce qu'elle a écrit sur. Bah écoute, apparemment. Mais malheureusement, je n'ai pas bien. Je n'ai même pas ça, malheureusement. Qui c'est qui fait une crise? Ah, c'est impressionnant quand même. Hein? 38 et 40 secondes quand même, les gars. C'est tout un ordre. Bah. Ça réchauffe. C'est bon. Qui fait une crise d'épilepsie? Hein? Quoi? C'est un fou moteur. C'est qui c'est toi? Oui, c'est mon putain. D'accord. T'as des copains toi? Oui, c'est mon petit copain. Ah ok. Et Carole, elle est la première? Ah, t'as une double vie? Ouais, oui. Elle ne le sait pas si. Damien! Je sais pas ce qui va se passer entre nous, Damien, mais. Ça va se passer. Mais ça va se passer. Bon, on a Pedro, tu rentres dedans? Non. Ah si, et on est deux. Ton gabarit, gars. Ouais, j'en prends dedans. Enfin, après moi, j'ai envie de dire, là, tout le monde nous a vus, mais le patron et le deuxième collègue, personne ne les a vus encore. J'avoue. On l'a fait, vous faites, hein. Moi, je prends un pneu de tracteur. Non, mais toi, tu filmes. Il y a quelqu'un qui tient la caméra. Mais tu es un tracteur. Ouais, je rentre dans un pneu de bob, si vous voulez. Ok. Démonter le Demain, ouais. Demain. Avec ou sans démon, tu rentres dedans? Mais il a des démontés, là. Bah, justement. Bon, mais voilà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, allez. Sur ces bonnes paroles, qu'est-ce qu'il reste comme question? Clarisse, qu'est-ce qu'il y a mieux, Clarisse, encore? Je veux que je rentre dans le pneu, Clarisse. Je ne rentrerai pas dans le pneu. À défaut de rentrer. Allez, sur ces bonnes paroles. Et donc, Pedro, à tout allez, tour. À demain. Allez, au patron. Bonne soirée. Allez. Salut tout le monde, à demain. Et demain, il y aura peut-être le Belge. Peut-être. Peut-être le Belge. Voilà, attention, peut-être. Et tu sais que personne ne le filme, lui. Il faut qu'ils disent au revoir aussi. Attends, on va voir la caméra, là. Ouais. Hein? Ouais. Qu'on leur montre un peu. Voilà. C'est dit, voilà. Il est joli, hein. Cette personne est le caméraman. On va rapprocher quand même, j'aimerais bien détailler un truc. Ah, vas-y. Ah, non, c'est toi, Billy, qu'il va falloir qu'il réponde. Oh putain. Tu te filmes, là. Attends. Là, t'es bon, là. Ouais. Là, t'es bon, c'est bon. C'est ce que t'as fait dans toute une ville, dans une cabine de peinture. Avec un mec. Pour donner ça, en fait. J'ai peint sa moto. Que sa moto? Oui. Tu peux le jurer devant tout le monde? Je peux le jurer devant tout le monde. Je peux le jurer devant tout le monde, j'ai peint sa moto. Regarde-le dedans, là. D'accord. Qui était un phaser. C'est Damien, c'est ça? Oui. Damien, c'est pas très crédible. Je l'ai peint, elle était bleu-gris, et je l'ai peint bleu Subaru Impreza. D'accord. C'est pas très crédible. Ça remonte, hein. Hein? C'est pas très crédible. D'accord. Bon, bah allez. Voilà. C'est quoi? Bon, allez, on y retourne. Bon, allez, ciao. Ciao. Salut tout le monde. Allez, ciao. Bisous pour vous. Merci d'avoir été prise pour le dernier. Bisous pour vous, parce que si, c'est insupportable.